Je m'appelle Julia Tahia, en France, tu vois. Tahia Kambé, je suis professeure de danse à Paris depuis bientôt 4 ans. J'ai suivi ma formation de danse tahitienne à Tahiti. J'ai fait en outre le conservatoire pendant 10 années. J'ai obtenu la dominante du diplôme d'études qui me donne en quelque sorte la légitimité pour enseigner aujourd'hui. Passion de la danse. Mon premier professeur de danse a été ma maman. La passion de la danse, j'ai toujours dansé. Je ne me souviens pas ne pas avoir dansé. J'ai commencé à l'âge de 3 ans. Et c'était naturel à Tahiti, tout le monde danse et c'est surtout mon père qui m'a poussée à entrer au conservatoire, à apprendre l'histoire de la danse, le ukulélé, le chant et surtout la danse où je devais répéter tous les soirs pendant une heure toute ma vie. Donc c'est surtout ça, ma passion de la danse. Aujourd'hui j'apprécie vraiment parce que c'est quelque chose que je maîtrise grâce à des années de travail et grâce à mon père. On a deux types de danse, les OTA et les Aparima. Pour moi, la danse haïtienne, c'est, enfin, du moins pour moi, ce que je recherche, c'est vraiment faire ressortir ma personnalité à moi. Et à travers les deux types de danse qu'on a, on trouve à la fois la force de la varinée, ou voilà ce que j'ai envie d'exprimer, la jeunesse, quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Montrer aussi que c'est une danse qui est technique, au même titre que la danse classique et les autres danses. Donc ça va être très énergique et très technique. Et après on a tout le côté aparima que j'aime beaucoup, qui est toute la sensibilité, où là on peut exprimer vraiment quelque chose de sensible et de sensuel. Quel genre de personnes viennent à mes cours? Toutes sortes de personnes, de toute origine. Au départ, j'avais plus de polynésiennes que de métropolitaines. Aujourd'hui, j'ai vraiment de tout. Les filles qui viennent essayer une fois la danse tahitienne et qui après sont séduites. Des personnes qui ont fait de la danse orientale avant ou d'autres danses, ou alors qui n'ont jamais fait de danse, ou des gens qui ont vécu à Tahiti pendant un certain nombre d'années et qui après ont découvert une danse en tapant tout simplement sur internet. Pour moi, Tahia est formidable parce qu'elle apporte dans ses cours l'ambiance formidable de Tahiti et c'est génial parce qu'on ne trouve pas tout le temps dans Paris, dans une ville assez sombre. Et là, on voit Tahia rayonnante tous les week-ends, tous les samedis, prêt à nous enseigner avec joie et la bonne humeur. Vu que je voyais ça tout le temps à Tahiti, je me suis dit, bon, ça va, c'est assez facile. Et dès que j'ai commencé à en faire, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Pourquoi j'ai pas commencé plus tôt quand j'étais petite alors que tout le monde en faisait au conservatoire? Mais voilà, maintenant j'en fais donc je suis contente, je me sens un peu plus. Ah. Je me sens un peu plus tahitienne chaque jour. C'est bon la danse! Parce que ça fait partie de moi déjà
Et ça me manque beaucoup Tahiti et je me sens bien dans ces cours. Je me retrouve un peu comme si j'étais chez moi, mais pas trop. Et puis ça permet de revoir des Tahitiens et des nouvelles personnes qui partagent la même passion que toi. Toi, petit caca. Il y a des doigts qui vont sauter. Hein. Alors à l'époque, j'étais pas aussi dévouée à la danse tahitienne qu'aujourd'hui. Ça, c'est un truc qu'on retrouve quand justement on s'éloigne de ces traditions, qu'on n'a plus la chance d'avoir des répétitions tous les soirs comme j'avais avec les grands ballets de Tahiti ou des cours avec des grands professeurs au conservatoire. C'est une chance que j'avais et dont j'étais pas forcément consciente. C'est vraiment en arrivant ici et où, quand mon pays m'a manqué, que j'ai voulu encore plus partager ma culture, soit avec des Polynésiens comme moi, soit avec d'autres personnes. Chez une danseuse, c'est vraiment sa personnalité. C'est ce qui fait la différence. On peut être une très bonne danseuse, mais pas s'être encore trouvée et épanouie dans la danse. Il faut avoir de l'expérience et surtout une grande confiance en soi, et ça, il faut le montrer. Les gens sont impressionnés lorsque ça paraît facile et lorsqu'ils ont l'impression aussi qu'on donne une partie de nous-mêmes. Si on danse pour exécuter une chorégraphie, c'est pas pareil, ça n'a pas le même sens. C'est important d'avoir des bases, c'est important d'enseigner tout ce qui est fondamentaux de la danse tahitienne, tout ce qui est donc enseigné au conservatoire, mais la danse tahitienne, c'est une danse aussi qui doit évoluer et justement c'est la jeune génération comme moi qui doit la faire évoluer. Et voilà, donc il ne faut pas se donner des limites. C'est important de respecter ce qui a été enseigné, mais on peut aussi le dépasser dans l'objectif de se mettre à la même hauteur que les autres danses. Et il faut aussi qu'on s'apprenne à s'intéresser aux autres danses. Stop. Merci les filles.